a gagné? Moi. Ça va? Oui. Ça va. Tu veux manger? Non. Tu sais... On devrait aller à Calgary 2 ou 3 jours. Pour décrocher un peu. T'as un coin préféré? Quelque part où on pourrait être seul. Plus qu'on ne l'est déjà. Oui. Sans travailler, sans téléphone qui sonne. Sans vilain cauchemar. Sans vilain cauchemar. Decker a encore appelé. Oui, quand? Tous les jours cette semaine. Et qu'est-ce qu'il voulait? J'en sais rien, il n'a rien dit, je ne l'ai pas rappelé. Il pourrait t'aider, peut-être. Je me sens tellement frustré. Passer tellement de temps à bosser avec lui. Ben, va le voir. Tu n'as qu'à lui dire que tout est fini, sauf les mauvais rêves. Je ne sais pas si ses rêves sont si mauvais. En fait, je commence à les aimer. Tu dois commencer à me prendre pour un dingue. Boone. Aaron? It's Dr. Decker. Hey. Long time no speak. 4 months. So you miss me? I need to see you. Well, I'm healthy. Feeling good. I'd like to believe that I really would. Still believe it, it's true. I'm still in my office, I'll wait for you. Oh, I can't. I'm on my way out. Tomorrow then. Okay. Something wrong? Don't let me down, Aaron. I'll be there. God help us both. Tu sais, c'est vachement bien d'être gros parce que c'est drôlement confortable. On n'a même pas besoin de coussins. Toi aussi, t'es gros. Si fort, tu vas réveiller les petits monstres. Ah oui. Maman. Oh, mon poussin, qu'est-ce que tu fais debout? Tu devrais faire dodo. J'ai entendu quelque chose. Mon chat, qu'est-ce que t'as entendu? Un méchant monsieur. Oh, mais c'est rien, écoute. Écoute, tu vas vite retourner te mettre au dodo et je viendrai te voir tout à l'heure, d'accord? D'accord. Wow, you look great.
wasn't so dirty. Gotta get to rehearsal. Mm. Finally, to see my baby Sam, huh? Yeah. Mm-hmm. One more card, then. I'm not gonna be home, so why don't you meet me at the club? And we'll go to my place from there. Vous savez, beaucoup de mes confrères ne se seraient pas intéressés à un tel cas. Mais en ce qui me concerne, vous m'intriguez. Le fait que vous parliez de monstres et de Midian. Je ne les ai pas créés. On m'en a parlé, c'est tout. Oui, mais vous les avez incorporés dans votre propre mythologie. Oui, sans doute. J'avais besoin d'un refuge. Un endroit où tous vos péchés auraient été pardonnés. Oui. Ces péchés, vous vous en souvenez? C'est possible. Quand vous imaginez qu'on vous enlève dans cette ville imaginaire, Midian, quels sont les péchés qui doivent vous être pardonnés? On reprend la thérapie, docteur. Ce ne sont que des rêves. Midian n'existe pas, les monstres non plus. Mais le meurtre, ça existe. Le meurtre est une chose tout à fait réelle. Il prend naissance dans notre esprit. Mais c'est dans la chair qu'il devient lui-même. Vous savez qu'il y a 2 jours, la police m'a apporté des photographies. Ils voulaient savoir si certains de mes patients étaient capables de faire ce qu'on voit sur ces photographies. Je vais vous les montrer. Pourquoi? Parce que sur les enregistrements, quand vous parlez de meurtre, il s'agissait sûrement d'hallucinations. Enfin, selon mon avis. Les descriptions que vous avez faites sur ces enregistrements, Aaron, étaient très détaillées, très précises. Les lieux, les visages. C'était ces lieux et ces visages. Non, je ne m'en rappelle pas. Vous voulez écouter? Non! Vous croyez que je les ai tués? Il y a eu 6 familles assassinées en 10 mois, Aaron. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Vous allez prendre ceci. Ça vous fera du bien. Vous disposez de 24 heures pour aller voir la police et leur dire toute la vérité. Je ne peux rien vous dire de plus.
Qu'est-ce que vous avez pris ce soir? Du lithium. Encore heureux que vous soyez entier. Ce n'était pas du lithium, mon vieux. Qu'est-ce que c'était? Je dirais que ce que vous avez pris, ça ressemble plutôt à une sorte d'hallucinogène. Vous étiez dans ce qu'on appelle un mauvais trip, mon vieux. Emmenez-moi à Midian. Emmenez-moi à Midian. Je vous en supplie, emmenez-moi à Midian. Je ferai ce que vous voulez. S'il vous plaît. Je ne veux pas rester ici. Pitié. Pitié. Venez, venez me chercher. Emmenez-moi à Midian. Je vous en supplie. Pitié. Emmenez-moi à Midian. S'il vous plaît, je vous supplie, je ferai ce que vous voulez. Pitié, pitié, venez me chercher. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit la ferme. Ils ne viendront pas tant que vous serez là. Ils ne se montrent pas aux humains de votre espèce. Qu'est-ce que vous venez de dire? Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous avez dit Midian. J'ai dit ça. Peut-être bien. Qu'est-ce que vous savez là-dessus? C'est là où les monstres vont tous. C'est là où on ne souffre plus. Ah, attendez. Et vous, qu'est-ce que vous savez là-dessus? Là-bas, on vous pardonne. Là-bas, ils vous prennent seulement si vous valez le coup. Vous savez ce qu'ils font à ceux qui ne sont pas à la hauteur. Et vous savez où c'est? On pourrait y aller tous les deux. C'est eux qui vous ont envoyé. Quoi? C'est eux qui vous ont envoyé me chercher. Oui. Oui. Mais il faut que je sache où c'est. C'est un test. Oui. Oui. C'est au nord d'Athabasca, à l'est de la rivière de la paix. Au nord de Dwyer. Alors vous m'emmenez. Vous pouvez demander à n'importe qui, je suis à la hauteur. Je savais que vous finiriez par venir, je le savais, je vous attendais. Ouais, c'est bien, c'est bon. Je sais, je sais, je sais, je sais, je suis au courant. D'abord,
faut que je vous fasse voir. C'est comme ça que ça marche. Me faire voir quoi? Mon vrai visage. C'est pour ça que ces trucs-là. Vous comprenez, je suis un acteur. Il y a un visage dissimulé derrière ce visage. Non, laissez-moi non, faire. Il non, faut que vous me regardiez. D'abord, je vous montre. Après, vous m'emmenez avec vous. Délinquance juvénile, plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, quelques poussées de violence, casier judiciaire vierge, sinon il est sous mes soins. Ah mais qu'est-ce que vous avez fait? Rien! Qu'est-ce que vous avez fait? Vite, dépêchez-vous! Ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Il parle seulement d'un endroit appelé Midian. Il va mourir. C'est ce qu'il voulait, on dirait. Inspecteur, je connais Boone. Je sais comment il parle, je sais comment il manipule les gens. À mon avis, si on emploie les mots justes avec cet homme, ça déclenchera quelque chose. Ben, allez-y. Je ferai de mon mieux. Mais il va falloir que je sois seul avec lui. Je te coupe la gorge. Tu l'as.
Il est à moi. Oh merde. Vous êtes de Midian? On devrait l'emmener en dessous, Pelokin. C'est pas un des nôtres. C'est un innocent. Non. J'ai déjà tué plein de gens. Je suis comme vous, c'est pour ça que je suis là. Nom de Dieu, tu vas la fermer. T'es de la viande. Si on le mange, on enfreint la loi. Il a raison. Nous avons toujours raison. Dieu est un astronaute. Oz est au-delà de l'arc-en-ciel. Et Midian, c'est là où vivent les monstres. Et toi, tu es venu mourir. Je ne suis pas venu mourir. Je suis venu pour être avec vous. Non. Désolé. Je sens l'innocence. À 500 mètres. J'ai tué des gens, vous savez. J'ai tué au moins 50 personnes. Qui t'a dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce crétin raconte des conneries. Tu n'es qu'un innocent. Et ça veut dire que tu es de la viande pour la bête. On n'a pas le droit, c'est la loi. J'emmerde la loi. Je veux de la viande. Geste. Aaron Boone, je vous arrête. Boone, écoutez-le. Allez, rendez-vous. Restez où vous êtes. Inspecteur, je sais comment leur parler. Boone, vous n'avez rien à craindre. Ils sont au courant de tout. Je leur ai déjà tout expliqué. Ils ne vous feront rien. Ce n'est pas moi. Je n'ai fait de mal à personne. Non, je sais. Alors vous me croyez? Oui, je vous crois. Attention, il est armé! Non! Ne tirez pas! Je dis, ne tirez pas, bordel de merde! Son blouson.
Mademoiselle Winston, reconnaissez-vous ce corps comme étant celui d'Aaron? De vous sans arrêt. Il me parlait aussi souvent de vous. Si vous voulez bien, on verra ça plus tard. Non, je préférerais que ce soit fait tout de suite. Quel rapport entreteniez-vous avec le défunt? Nous étions amants. Le défunt est un homme de type caucasien, proche de la trentaine. Les causes possibles du décès sont de multiples impacts de balles dans la cage thoracique et les extrémités. On remarque une morsure causée par un animal non identifié situé sur l'épaule gauche. Impact de balle numéro 1 en haut de l'épaule gauche. Impact numéro 2 un peu en dessus du mamelon gauche. Troisième impact sous l'extrémité costale gauche. Eh ben dis donc, ils lui ont pas laissé beaucoup de chance. Il n'a jamais levé la main sur moi, il n'a jamais fait de mal à personne, jamais de sa vie. Mademoiselle Winston, vous savez que tout le monde a une face cachée. Pause café. Faites beau rêve. Je voudrais savoir une chose. Comment s'appelle la ville où il est mort? L'endroit s'appelle Midian. Taking the body. C'est la fin ici pour moi, mais à Midian, je vis éternellement. Après tout, c'est ce que tout le monde voudrait. Pas vrai? Qu'est-ce qu'elle prend, la petite dame? Une bière. Une bière, ça roule. Je cherche un endroit qui s'appelle Midian. Ça, vous n'êtes pas la seule. Il y a des types de la télé qui m'ont demandé la même chose. Il y a un assassin de gamin qui a été tué là-bas. Un assassin d'enfant? Ah oui, ça a été une sacrée semaine pour nous. Il a fallu 30 coups pour le descendre. Qu'est-ce que c'est? Les mecs ou le pognon? Moi, quand je pleure en général, c'est les mecs. Ou le pognon. Un mec? Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Il s'est tiré? Pas exactement.
En fait, il n'est pas revenu. Tiens, t'as raison, c'est pire. Alors qu'il y a des mecs, dès qu'ils sont morts du toit, tu pourrais les foutre à l'eau avec un piano au pied, ils reviendraient plus vite qu'un chien avec une balle. Je sais pas pourquoi je me fais une beauté alors que je sais très bien que la seule chose qu'on va regarder, elle est derrière moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, t'inquiète pas, je connais ça. Je t'offre un verre. J'ai besoin d'air montant. You know, I've seen men go to a lot of trouble to get rid of a girl, but I gotta say, this is the first time I heard of a guy doing it when he was dead. They think some sick bastard stole the body. So, what, you want to go check out the place where he checked out? I guess it's just a way to say goodbye. I loved him, but you know, I don't think I ever really understood him. Listen, I'm not doing anything really important tomorrow. In fact, I'm not doing anything tomorrow. Why don't I drive up to this place with you and check it out? You don't have to do that. Oh, no, I don't have to do it, but I want to. Okay. Thanks. I guess I'm gonna head up to a room. Yeah, you go get some rest. I'm gonna stay down here and see if I can find me a good time. Who knows? Maybe one of these jerks will win the lottery. Good luck. Compliments of the gent in the corner by the door. Wow, isn't he just the picture of sophistication? Je suis sûr que tu vas trouver ça génial. Non, sans déconner, tu peux me croire. Tu me retapes dans le dos une fois, je finis de t'arracher la tronche. Alors, c'est seulement une façon de dire, sois le bienvenu au club. Je suis pas sûr de vouloir faire partie du club. Écoute, je vais te dire un truc, si tu es venu ici, c'est exactement pour les mêmes raisons que moi. C'est chez nous ici. Il n'y a aucun autre endroit sur Terre où on nous accepterait. Allez, vas-y, entre. Parrainé selon la loi. Oui, selon la loi. Laisse à ton parrain le soin de répondre. Oui, selon la loi. Tu comprends ce que ça signifie de te joindre à nous. Ce soir, tu laisses derrière toi le monde des innocents et la vie que tu as vécue ne sera plus qu'un rêve. Je sais. Le sang de Baphomet connaît la vérité. Jugé par le Dieu. Oui. Je suis prêt. Vous
tribus de la Lune te prennent en leur sein. Sans déconner, t'as vraiment été du tonnerre. Bon appétit. Salut. Comment ça va? Pas très fort. Mais en tout cas, ça valait le coup. Tu sais, ma grand-mère me disait tout le temps, chérie, là, il y a sûrement un homme dehors qui t'attend et qui sait comment tu t'appelles. La seule chose que t'as à faire, c'est de te jeter dans ses bras. J'imagine que ta grand-mère parlait du type que tu as rencontré hier soir. Il est fabuleux. Il s'appelle Curtis. Il est banquier. Il vient d'emménager à Edmonton depuis qu'il a divorcé. Et pour couronner le tout, il me trouve merveilleuse. Cheryl, est-ce que tu es sûre de vouloir venir? Oh oui, je peux rater ça. Et puis de toute façon, Curtis a du travail aujourd'hui, mais... il m'a dit qu'on se verrait ce soir, alors tout va bien. Oh mon Dieu. Eh ben dis donc, bonjour l'ambiance. Qu'est-ce que Boone est venu faire par ici? Il en avait marre de la vie. Oh, loupe pas une, ma vieille. Écoute, toi tu vas faire ce que t'as à faire, et moi... je t'attends ici. On fait comme ça? D'accord, à tout à l'heure. Alors c'est ça, Midian. Bonjour, chérie Lane. Amenez-la-moi. Amenez-la-moi, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Oh, qu'est-ce... ramassez-la. D'accord. Allez, viens. Non, ça va aller. Dépêchez-vous, je vous en supplie. Ramenez-la. Ramenez-la, moi, s'il vous plaît. Ne faites pas attention. Vite, donnez-la-moi. Non. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Aide-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Elle adore s'amuser dehors. Je lui avais dit que le soleil lui ferait du mal. Mais ce n'est qu'une enfant. Elle ne comprend pas. Elle aime s'amuser dehors. Vous l'avez sauvée. Je vous dois quelque chose. Écoutez-moi. Je sais pourquoi vous êtes venu. Est-ce que Boone est là? Répondez-moi, Boone est ici. Rachel, tu en as déjà trop dit. Mais l'iceberg, elle a sauvé Babette. Nous le savons, mais tu ne peux rien faire pour elle. Écoutez, j'ignore qui vous êtes tous, mais j'ai sauvé la vie de cet enfant. C'est vrai. Je mérite quand même quelque chose pour ça. Cet enfant n'a aucune vie qu'on puisse sauver. Mais l'ayant sauvée, elle vous appartient, si vous le désirez. C'est notre loi. Est-ce que vous la voulez? Non, je ne la veux pas. Non, non, merci. Non, je veux seulement des réponses, c'est tout. Vous ne devez parler de ceci à personne susceptible de nous apporter des conséquences irréparables. Qu'est-ce que c'est? C'est une menace. Pas pour vous. Pour nous. Ce qui est ici-bas doit demeurer ici-bas. C'est la loi. Boone. Aaron Boone. Répondez-moi. Il est là. Vous l'avez enlevé, vous avez pris son corps, n'est-ce pas? Il faut que je sache. Vous l'avez enlevé? Je suis désolée. Je vous en prie, ne partez pas. Attendez. Ne partez pas! Où est-ce qu'ils sont partis? Cheryl. Oh merde, non. Oh, c'est pas vrai. Oh, Lori. Oh. Comment vous connaissez mon nom? Ça, c'est une excellente question. Voilà la réponse. Oh non. Boone est vivant, Lori. Oh. Et toi, tu es morte. Ça va l'obliger à se montrer. Laissez mourir. Tu as fait le serment d'obéir à la loi. Je ne vais pas laisser massacrer Lori. Non. Je l'aime. Mais elle, c'est une innocente. Elle ne peut pas t'aimer, pas encore.
Ça, je m'en fous! Reste allongé. Ça va plus vite comme ça. Baker! Tu es là? Ce n'est pas là où les morts sont censés aller? Mais tu n'es pas mort. Je te trompe, Baker, on est morts tous les deux. Boone. Bien compris, pas plus les lames que les balles. Je suis mort, je suis un mort vivant. T'as l'intention de le buter ou quoi? Moi, c'est ses couilles qui m'intéressent. Ses couilles et ses yeux. Enfin, à moins que toi, tu les veuilles. Ça va, je te remercie. On se souvient de moi, hein, docteur? J'allais mourir quand vous avez fait l'enfoiré avec moi. Vous m'avez obligé à révéler mes secrets à un moment où j'étais particulièrement vulnérable. À nous deux. Quoi? Mais... Il est à moi! Coucou, c'est le prince charmant. Ah, t'inquiète pas, j'allais rien lui faire. Ah, je voulais seulement la réchauffer, la pauvre. Je suis pas sûr qu'elle va aimer la tronche que t'as. Baker n'en parlera à personne. Il peut très bien conduire nos ennemis jusque-là. Si c'est le cas, et si Midian vient à être détruit, ce sera toi le responsable. Je saurai réparer. Tu vas emmener la fille et continuer à vivre parmi les innocents, car telle est la loi. Who made this law? Baphomet. Who made Midian? On va avoir de la visite, mon gars. C'est vous, Defoe? Oui. Oh, je sais même pas si, Marc. Pieds en panne, hein? Ah, oh, c'est pas la peine. Personne ne se déplacera jusque-là. Il n'y a jamais personne par ici. Passez-moi l'inspecteur Joyce, docteur Philip Decker. Dites-moi, vous venez de Midian? Ouais, je le sens, moi, que vous y avez été. Vous savez exactement où est la ville de Midian? Il n'y a aucune ville. Il n'y a qu'un cimetière. Joyce, Decker, écoutez, j'ai trouvé où était Boone. Où est le poste de police? Chez Herneck. Chez Herneck. Oui. Oui, d'accord. Qui est enterré à Midian? Ben, des morts. Des prospecteurs qui venaient d'un peu partout, ils se sont fait enterrer là-bas. Mais il y a autre chose. Ben, il n'y a rien d'autre à part des Maccabées. Merci. Il fallait bien que ça arrive un jour. Ils peuvent pas se cacher éternellement.
Là-haut, c'était Boone. Oui. Mais pourtant, il est mort. Je l'ai vu à la morgue. Vous ne comprenez toujours pas. Maintenant, vous êtes en bas, avec les êtres de la nuit. Les derniers survivants des grandes tribus. Ah oui? Quel genre de tribus? Nous sommes des indésirables, des monstres. Nous sommes ce qui reste de race dont votre tribu a provoqué la destruction. Vous n'êtes pas immortel? Non, loin de là. Certains d'entre nous peuvent mourir par le soleil, comme Babette. D'autres peuvent mourir par balle. Mais d'autres encore peuvent survivre à ça, parce qu'ils sont allés au-delà de la mort. C'est trop étrange pour moi. D'être capable de voler, d'être de la fumée, ou un loup. De connaître la nuit et d'y vivre éternellement. Ça n'est pas si terrifiant. Vous dites que nous sommes des monstres, mais quand vous rêvez que vous volez, que vous changez, que vous vivez sans craindre la mort. En réalité, vous nous enviez. Et tout ce que vous nous enviez... Nous le détruisons. Babette, montre-lui. Montre-lui le passé. Nous sommes les seuls rescapés. Alors ça veut dire... Ça veut dire que Boone est comme vous. Oui, c'est un être de la nuit. Non, ce n'est pas possible. Je dois réussir à le retrouver. Vous ne pouvez rien faire pour lui. Où est-ce qu'il est allé? Il est descendu au tabernacle, chez Baphomet. Qui est-ce? Notre dieu. Il a créé Midian. Il nous a appelés ici et nous a protégés de nos ennemis. Entendu, conduisez-moi. Je n'ai pas le droit. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Écoutez, je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Non, non. Et les monstres? Les êtres de la nuit. Ils peuvent mourir? Mais enfin, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces créatures? Est-ce qu'ils peuvent mourir? Oui. Comment? Ils sont pas tous pareils. Et il y a des tas de façons de les tuer. Pour certains, ce sont les balles, pour d'autres, ça peut être les flammes. Comment se fait-il que vous sachiez autant de choses sur eux? Ah, c'est parce que je voulais devenir comme eux. Et ils vous ont renvoyé. Et c'est pour ça que vous leur en voulez tellement. Hein? Je ne suis pas l'un des leurs. Je suis là pour les exterminer. C'est que j'ai éliminé beaucoup de ces reproducteurs. Ces familles qui sont comme le fumier, des immondices qui engendrent d'autres immondices, et ça recommence comme ça encore, encore et encore. Et finalement, tout ça m'a conduit jusqu'ici. Je suis né pour les détruire, eux, et leur progéniture. Vous êtes cinglé. Non, je suis la mort. Pure et simple. Dites-le! J'avais pas raison. You may go no further. Where's Boone? Boone is with Baphomet. He is beyond recall. Just tell me where the tabernacle is. I'll go get him myself. Okay. I'm gonna go find Boone. And I don't think you're gonna try and stop me. Excuse me.
fait connaissance avec les voisins. C'est Boone que vous cherchez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé Boone. On a volé le corps et on l'a amené jusque-là? Il n'y a pas de corps, inspecteur. Il n'est pas mort. On l'a tué. Je l'ai vu de mes propres yeux. Moi aussi, oui. Mais il est en vie. Ça aussi, je l'ai vu. À Chernec? Non. Non, à Midian. Messieurs, je suis le capitaine Hagerman. Inspecteur Joyce, de la police de Calgary. Et voici le docteur Decker. Ici, on est à Chernec. Midian, c'est ma juridiction. Boone était mon prisonnier. Mais on peut travailler ensemble. Pas question. C'est moi qui me charge de lui. Maintenant, il n'est plus seul. Ce genre de discours, c'est celui des asiles de dingue. Quel discours? Midian. Là-bas, quelque chose se reproduit. En dessous du cimetière. Mon cul, oui. Vous, vous y croyez? Bien sûr. Si on ne fait pas quelque chose, il y aura encore plus d'effusions de sang. Dis donc, tu sais que t'es vachement légère, toi. Non, t'es pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un canon, mais moi, je suis pas trop difficile. Ça va mieux, mon ne vous approchez pas de moi. Ah, je suis désolé pour tout à l'heure, mais quand je vois une mignonne petite gueule, faut que je l'embrasse. Et t'as pas le droit d'aller en bas. Pourquoi pas? Mais regarde, c'est pas bien ici. C'est le paradis terrestre, ma petite poule. On est heureux comme des rois. Qu'est-ce que ça sent? C'est pas moi. Les fous furieux sont en bas. Une bande de malades. Ils te feront exploser la tête et ils te la boufferont. Est-ce que Boone est descendu? Mais il n'est pas prêt de remonter. Il n'est pas mort? Il est beaucoup plus que ça. Et si tu ne me crois pas, tu auras de ses nouvelles en reniflant une bonne odeur de sang. Tu verras la bête qui est en lui. T'as pas le droit de descendre. Toi, tu vas faire un gros dodo. Ils sont beaux, ces tatouages, dis-donc. Sacré marin. Partez pas! Hé! Gros tas! Viens par là!
Allez, viens. Je peux pas aller dehors. Je dois rester là. Alors écoute-moi. Tu dois rester avec moi. C'est pour ça que tu as vécu. C'est pour ça qu'on a survécu, parce qu'on appartient l'un à l'autre. Tu ne vois pas qu'ils n'ont pas besoin de toi. Personne n'a besoin de toi à part moi. Ouais. D'accord. Je t'aime. Allez, viens. La chambre ne répond pas. J'ai essayé deux fois. Hein? Oui, les clés sont là. J'en sais rien, moi je les ai pas vues. Arnie! Hé, hey, Arnie! Merde, où est-ce qu'il est? Arnie! Écoutez, je vais demander qu'on s'en occupe. D'accord. Oui. Oh non, merde. Quelle conne. Regarde-moi ça. C'est dégueulasse. Arnie? Mes affaires et je me change. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est si vide? C'est sûrement à cause du rodéo. Il y a une odeur de sang. Tout est normal. Tu vois? Tire-toi! Boone, j'ai pas l'intention de te laisser! Ah! Allez, on y va! Thank you.
Debout, j'ai dit. Merde, qu'est-ce qu'il a vu? Allez, il n'y a rien à voir. Allons! Capitaine? Oh! C'est une erreur de la nature et un cannibale. Tu t'es trompé de patelin, bonhomme. Ferme la porte. Je vais être gentil, je vais te laisser un souvenir de moi. Je veux... Alors, maintenant. Encore là, vous? Je vais retourner à Midian avec vous. Oui. Très bien, j'arrive. Écoutez, je ne vais nulle part avec vous. Je suis attendu par la presse. Maintenant, dites-lui que Boone est sous ma garde. Ne vous fiez pas à lui. Il est changeant. Ça, je le sais. Agarman. Il avait raison pour le match. Et alors? Et alors, il est possible qu'il y en ait d'autres. Qu'est-ce que vous me racontez? Votre monstre? Une secte? Je ne sais pas, moi. Il faut vérifier. Vous voulez y aller? Oui. Très bien, on va y aller. Pétine. Oui, chef. Prends quelques hommes avec toi et emmenez l'inspecteur Joyce faire un tour à Midian. Vous irez jeter un coup d'œil du côté de ce fameux caveau. Si vous voyez quoi que ce soit qui ait plus de deux yeux, appelez-moi. Vous m'excuserez, mais j'ai une conférence de presse. Hé, le docteur est venu t'examiner, mon pote. Comme ça, personne ne pourra dire qu'on a osé lever la main sur toi. Oui, il m'a l'air bien. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Il n'y a pas de pouls. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort? Has Boone made a confession? They found traces of human flesh in his system. Does that answer your question? Cannibalism. Sounds like that, doesn't it, sweetheart? Is this the same Aaron Boone that was shot down at Midian 4 days ago? What are you talking about? The man that was shot in Midian was Aaron Boone. Excuse me. Qu'est-ce que vous avez essayé de me faire? Je ne comprends absolument plus rien de ce qui se passe ici. Est-ce que vous savez combien de balles a reçu ce type à Midian? Pourquoi? Pourquoi? Allez, dites-lui pourquoi! Je n'ai senti aucun battement. Non, j'ai tué le bordel! Vous dites qu'il serait mort. Mort, oui, mais pas allongé comme tout le monde. Il est mort et il fait des 100 pas dans ma cellule, votre revenant. J'espère que ça vous embouche un coin. Christ. You could hide an army. What exactly are we looking for, Sarge? We're here to kick some major league butt. We're here to scout. Not engaged. What about if they engage us? What about that? Il y a du monde là-bas. Je le sens. Faudrait peut-être appeler du renfort. Pas encore. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Peut-être une blague. Qu'est-ce qui pourrait vivre dans une tombe? À votre avis, inspecteur? Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Head for home! Vous pouvez l'interroger si vous voulez, inspecteur. Fichez-lui la paix. Et pourquoi faire? Bon sang, vous ne voyez pas qu'il n'est pas bien. Au secours! Aidez-moi! Lâche-moi! Descendez-le! Ah!
C'est à cause du soleil. C'est ça qui l'a tué. La mer, ton alarme parfaite est juste au-dessus de nos têtes. Ouais. Jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Qui a fait ça? Bettine, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait sauter la voiture! Saloperie de monstre! King, venez là! Oui, chef. Il est temps qu'on fasse aussi un tour là-bas. Révérend Ashbery, on va avoir besoin de vos services. On dirait un alcoolique. C'est un alcoolique. Il a perdu son chemin, le pauvre Piquet. Dis donc, tu voudrais pas manquer le jugement dernier? L'apocalypse? C'est ici? Oui, les locations sont ouvertes à Midian. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas foncer à ton église, chercher des crucifix, des livres de prière, des bibles, enfin, l'attirail habituel des curés. Nous n'avons rien à craindre, Dieu est à nos côtés. Officer Kane, show him. Okay. You got your spanking new H&K G3-308 NATO semi-automatic assault rifle, blowback action, and retractable bipods. Standard combat firepower. Can't be. For the sportsmen in the crowd, we carry this handy pump-action Frenchie Eliminator. It's the lightweight single barrel size. Perfect gift selection for ladies and juniors. That's fabulous, really. Terrific. You can always count on a friendly garrote. Que ce soit des monstres, des rouges ou des chromosomes mutants qui viennent du tiers-monde, on sera toujours là, les fils de la liberté. Hé, hey, tranche de cake, on a trouvé tes potes! Please get in. Rachel? Lori, now. What? Close the door. Okay, what? We have to get Boone back. Midian needs him. Why? What can he do? He went into Baphomet's chamber. He spoke to the baptizer. And survived. Nobody ever did that before. Maybe Baphomet told him something. Something that could save Midian. Hey, agent les bobites. Oui. Un petit coup d'explosif. Envoie la sauce. C'est parti. Tiens, vas-y, avale. Qu'est-ce que c'est? Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. C'est bon, j'arrive! Ça va, combat? Où il est? Où est Boone? Cellule 3, nette derrière la porte. T'es trop du cul. Moi, j'adore ça. De toute façon, tu vas pas y couper! Ils arriveront pas à défoncer cette porte et les temps d'ainsi tremper! T'entends, le cannibale? Bordel! Merde! Je ne veux pas te faire de mal. Tu vas m'attendre ici. Mademoiselle. Paul,
Whatever you are, je n'ai pas peur de toi. Des câlins. Bon, alors, on y va. Moïse s'adressa ainsi au peuple et dit : armez-vous pour la guerre et allez réclamer vengeance pour le Seigneur. À Midian. Ainsi, ils passèrent par les flammes toutes les villes où ils habitaient et tuèrent les rois de Midian, moitié hommes, moitié bêtes. Vous savez, docteur, j'ai l'impression qu'on va aller affronter le diable en personne. Moi, je ne crois pas au diable. Vous allez changer d'avis. Allez, au boulot. Fast explosive at every intersection. Tripwires outside the biggest tombs. I figure those will be the major escape routes. How much time? 5 minutes. All right, we pull back to the perimeter before we lose the light. There's movement underground. Captain! Just stop! Jesus, Reverend, not there. We've got claymores planted in the undergrowth. We've made a mistake. There's no evil. No, you're not listening to me. It's wrong. It's sacrilege. This is holy ground. Pull back to the perimeter, pinhead. You brought me here because I'm a man of God and... Hang around here any longer, and you'll be sitting in his left hand. Now you get the fuck out of here, you suckers. Ah! Claymores would have cut his nuts off faster than a hedge clipper. Qu'est-ce que vous faites, docteur? Vous n'allez pas louper ça. Il y a un raccourci par là. Où ça? Là, à gauche! J'ai trouvé quelque chose. Je voudrais que vous y jetiez un œil. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Merde, on est en retard. On dirait que le Meledian vient de finir. Thank you.
Quel abord qui vous attend là-haut? Non! Ne l'écoutez surtout pas, nous serons tous massacrés! This is our home! Si vous voulez vivre, ce ne sera pas ici, et ce ne sera pas grâce à vos lois! If we want to survive, we've got to fight back. We can't hide anymore. Take the children above ground. Find a hiding place. What about Baphomet? Can he be moved? Can he be moved? Yes, it could be done. Alors si vous voulez survivre, ne vous cachez pas. Frères et sœurs, écoutez-moi. Maintenant, il faut se battre. Très bonne idée. On se dépêche, allez. Regardez pas en bas, allez vite, vite, on se dépêche. Les femmes et les enfants là-haut. T'as entendu ce qu'il a dit? Quelle chance est-ce qu'il nous reste, hein? Ils sont armés! Et alors, moi aussi? Ah, venez, mes chéris! You're with God now. Yourselves! Defend yourselves! You're not cattle, for Christ's sake. You're gonna need weapons, all of you. Ciao les gars. Arrêtez, je vous en supplie. Il y a aussi des enfants. Vous tuez des enfants. Tire, abruti. Non. Désolé. Egerman! Allez, debout! On déteste les prêtres ici. Get out. Run! No. I have to see. Take me with you. Hey! C'est quoi ce machin-là? Parce que j'ai... Ah.
pas besoin de vous. Baphomet va tous nous exterminer. Les innocents, les créatures midianes, il va tout détruire. Qu'est-ce que vous en savez? Regarde, tu comprendras. Alors ça veut dire que tout va exploser? La volonté de Baphomet. On peut encore faire quelque chose. Mais il nous faut des combattants. Nous ne sommes pas des guerriers. Vous oubliez les fous furieux. Tu n'y penses pas. Ils sont incontrôlables. C'est mieux que rien. Il faut les libérer. Nous sommes les tribus de la Lune. C'est vous qui l'avez dit. Les tribus de la Lune. Je vais aller les libérer. Comme d'habitude, toi tu prends le balai. Cookie. Alors, vous allez pas faire ça? Donne-moi une bonne raison de pas le faire. Je vais vous en donner deux. Tu l'as bien amoché. Le petit oiseau va sortir. Attention, le voilà!
Party dance, huh? Death everywhere and you and me in the middle. Protège-moi de mes ennemis.
could start out tonight. I'll go with you. I belong to the breed now. And make me belong too. They made you one of them. You can do the same for me. I can't. But I want to be with you. Back for you when I'm finished. When's that gonna be? When I'm 90 and you're still the way you are? I went through hell to find you and you're just... just gonna walk away. Just go. Just go. Get out of here! What do you want? Go! I saw their god. I saw him. I can still smell him. He's out there. Oh, yes. Go together. No, they're mine. Their god burned me. I'm burning back. All of them. Burn them all away. Keep me with you. Cabal. He under me, Midian. How soon?
on the next wind. If not tonight, then tomorrow. On the next wind.
Spider 93.